Alors, au niveau de la lingerie adaptée, on va pouvoir proposer différents modèles. Dans un premier temps, évidemment, on va proposer le soutien-gorge, donc qui va exister sous différentes formes, différents coloris, vraiment pour tous les goûts. Le plus important, c'est quand même, hop, la petite poche intérieure qui va permettre de pouvoir glisser sa prothèse à l'intérieur sans que celle-ci puisse bouger réellement. Elle va être vraiment coincée à l'intérieur, elle ne bougera pas. L'intérêt également de la lingerie, ça va être justement les textiles qui sont utilisés, qui sont extrêmement doux pour la peau et très confortables, parce qu'effectivement, le buste de la dame opérée a été quand même un peu sollicité, et donc irrité et asséché. Donc il lui faut de la matière quand même confort. La lingerie adaptée, elle va permettre déjà dans un premier temps d'apporter confort et bien-être et surtout sécurité aussi à la personne qui va porter une prothèse mammaire externe, tout simplement parce que ça va entre guillemets cacher et vraiment porter la prothèse de manière à ce qu'on ne se rende absolument pas compte que la personne a une prothèse dans un premier temps. D'où l'intérêt d'avoir vraiment de la lingerie adaptée. Dans un second temps, elle va permettre aussi à la femme opérée de se rendre compte qu'elle peut s'équiper de, comme elle le faisait avant en fait, hein, se faire plaisir avec sa lingerie parce qu'on a de la lingerie qui est relativement bien travaillée, très jolie et même voire très sexy. L'événement Octobre Rose, on peut dire que c'est le mois qui est consacré au cancer du sein. Ça va être le mois où on va en parler énormément. Ça va permettre de relancer l'information sur toutes les associations qui puissent exister, qui sont là pour entourer la femme opérée, elle et ainsi que son entourage d'ailleurs. Il va y avoir un soutien, une aide et puis ne serait-ce que de la discussion en fait entre personnes. Et puis ça va permettre aussi de relancer l'information sur la prévention du cancer du sein.